dans les quelques minutes qui me sont imparties de vous donner la substance des spécificités du droit d'auteur dans le monde de l'enseignement et de la recherche, à travers notamment un slide qui va dérouler et qui vous donnera les principales dispositions qui sont pertinentes à cet égard. Alors, d'abord, et pour commencer de façon générale, il me faut définir ce que sont les droits d'auteur et tout particulièrement définir ce sur quoi porte le droit d'auteur, parce qu'il y a parfois des confusions. On fait dire au droit d'auteur, on fait absorber par le droit d'auteur des choses qu'il n'est pas capable d'appréhender en son sein. Et donc, il faut distinguer ce qui relève du droit d'auteur et ce qui n'en relève pas. La chose est a priori assez simple. La protection du droit d'auteur est donnée aux créations de l'esprit qui s'exprime dans une forme originale. Par forme originale, on entend une forme qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et en droit français, il n'est pas fait de distinction entre les différents types de créations, ce qui permet d'avoir une liste de créations très ouverte. Il n'y a pas de distinction selon le mérite, le genre ou la destination de l'œuvre, et on a une liste non limitative d'œuvres dans le code de la propriété intellectuelle qui embrasse à la fois des œuvres écrites, des romans, des sculptures, des photographies, des œuvres audiovisuelles, voire des dessins de mode, des logiciels bien entendu, donc une variété très, très importante d'œuvres qui permettent d'exprimer cette création, et cette liste n'étant pas limitative, elle est susceptible d'inclure des nouvelles formes de création, installations, jeux vidéo, etc. etc. En revanche, il faut bien comprendre que le droit d'auteur ne protège pas les idées ou les informations brutes, je reviendrai un peu sur cette question tout à l'heure, à savoir que une simple idée n'est pas protégée par la propriété intellectuelle. Il en va de la liberté d'expression, il en va de la liberté du commerce et de l'industrie. Si en effet on pouvait mettre un monopole sur une idée, eh bien il serait extrêmement difficile de partager des choses en société. Par conséquent, la propriété intellectuelle au sens large, le droit d'auteur, mais aussi les autres droits de propriété intellectuelle, comme le brevet, les marques, les dessins et modèles, ne protègent pas les idées pures, mais une forme d'expression de ces idées. Par conséquent, la jurisprudence va distinguer, par exemple, entre l'emballage d'un pont, c'est-à-dire la forme aboutie d'une idée d'emballer un pont, qui sera protégée selon les formes spécifiques que cet emballage a pris, et l'idée d'emballer des arbres, car cette idée est, dit-on, de libre parcours et ne peut être appropriée. Donc, on ne peut pas être auteur d'une idée, on est auteur d'une œuvre, c'est-à-dire d'une forme déjà aboutie, même si elle peut être inachevée, d'expression. À cet égard, il faut aussi comprendre que le droit d'auteur, même s'il a un champ d'application extrêmement large, ne couvre pas d'autres types de créations qui, elles, relèvent d'autres droits de propriété intellectuelle, tels que le brevet, ainsi les inventions qui ont qui présentent un caractère de nouveauté, d'activité inventive et qui ont un caractère industriel, seront hébergées par un autre droit de propriété intellectuelle, le brevet, et ne relèvent pas du droit d'auteur. Donc le champ d'application est très large, très souple, mais il s'inscrit néanmoins dans une dynamique de création d'œuvres de l'esprit au sens des beaux-arts, mais également en prolongement des œuvres de type informationnel comme les logiciels ou les bases de données. S'agissant du titulaire des droits, il faut là aussi mettre quelques règles de base qui sont applicables, quelles que soient les situations. Le Code de la propriété intellectuelle, dans son article L111.1, dispose que c'est l'auteur, la personne physique qui crée, qui est investi des droits d'auteur du simple fait de sa création. Donc, c'est l'auteur, celui qui est à l'origine du travail créatif, qui va pouvoir revendiquer un droit de propriété intellectuelle, un monopole d'exploitation sur ses créations.
Pour autant, il faut là aussi connaître l'existence d'un certain seuil, à l'instar du seuil de l'originalité que j'ai évoqué tout à l'heure. Toute personne qui fait un travail intellectuel n'est pas nécessairement auteur d'une œuvre de l'esprit. Il faut pour cela qu'il puisse témoigner de cette créativité en ce qu'il est libre de ses choix créatifs. Si une personne ne fait qu'exécuter des ordres qui lui sont donnés par un tiers et qu'il n'a pas de marge de manœuvre créative, il ne sera pas considéré comme un auteur, mais comme un simple technicien ou comme un simple artisan. Et à ce titre, il ne pourra pas revendiquer des droits d'auteur sur un travail de type intellectuel s'il n'est pas un travail créatif. En revanche, et ça c'est important, le fait générateur de la création, de la protection, c'est la création. Il n'est pas nécessaire ni d'enregistrer, ni de faire quoi que ce soit comme formalité acquisitive du droit. Le simple fait de créer suffit à déclencher la protection par le droit d'auteur. Et à ce titre, le contrat de travail est absolument indifférent du point de vue de cette reconnaissance native des droits sur la tête de l'auteur. En d'autres termes, si je suis un auteur salarié et lié par un contrat de travail avec mon employeur, ce simple contrat de travail ne va pas emporter au bénéfice de l'employeur la dévolution des droits d'auteur qui naissent sur ma tête. Pour qu'il soit investi de ses droits, il faut un acte supplémentaire et séparé qui conduisent à la cession des droits que j'aurais, des droits sur les œuvres que j'aurais créées dans le cadre du contrat de travail. Cette règle est assez inhabituelle en droit comparé. Elle témoigne d'une forte prégnance de l'importance de la personne physique dans la législation du droit d'auteur français. Il faut savoir qu'en revanche, dans d'autres régimes juridiques, dans d'autres pays, cette règle ne vaut pas et que le droit d'auteur du salarié passe sur la tête de l'employeur. Et nous verrons que dans la loi de 2006 dite DAFSI, un régime de cette nature a été développé pour les agents publics et bien évidemment, ce régime d'évolution des droits à la personne morale qui nous emploie, qui emploie les agents publics, nous intéresse au premier chef dans l'enseignement et la recherche. J'y reviendrai. Nous verrons également que l'indifférence du contrat de travail ne vaut pas dans tous les cas, et notamment pas pour les logiciels et pour les œuvres de journalistes. Enfin, pour déterminer la titularité des droits, il faut également envisager les cas dans lesquels la création s'opère avec plusieurs personnes, ce qui est souvent le cas. Ici, plusieurs modèles coexistent au sein du Code de la propriété intellectuelle avec plus ou moins de bonheur. Le premier, c'est celui de l'œuvre de collaboration. Lorsque tous les auteurs ont contribué au phénomène créatif sur un pied d'égalité, au sens où personne ne donne d'ordre et tout le monde reste libre de ses choix créatifs au sein d'un ensemble, on parlera d'œuvre de collaboration. Sur ces œuvres de collaboration, chaque co-auteur est indivisaire de l'œuvre dans son ensemble, c'est-à-dire tout le monde est copropriétaire. Ce régime n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés de mise en œuvre, et notamment lorsqu'il s'agit de faire un contrat, il faudra bien évidemment reconnaître ou recueillir le consentement de l'ensemble des co-auteurs de l'œuvre pour pouvoir exploiter de façon identique lorsqu'il y a une action en contrefaçon à l'encontre d'une œuvre de collaboration. Enfin, si les auteurs d'une œuvre de collaboration veulent agir en contrefaçon contre le contrefacteur, ils ne peuvent pas le faire sans avertir leurs autres co-auteurs. Il faut en effet que chaque co-auteur soit dans la cause et soit informé de l'existence de cette action en contrefaçon. Un simple co-auteur ne peut pas agir tout seul dans l'ignorance et laisser dans l'ignorance ses co-auteurs. Un autre régime existe, un peu complexe, qui s'appelle le régime de l'œuvre collective. Et ce régime obéit à l'idée d'une représentation plus pyramidale du travail de création, à savoir qu'il y a ici une personne qui est à l'initiative de l'œuvre et qui va prendre la responsabilité de sa conduite et de sa publication sous son nom.
et qui coordonne un certain nombre d'auteurs qui apportent des fragments à l'intérieur de cette œuvre collective. Le modèle, c'est par exemple l'encyclopédie, les juristes classeurs pour les juristes, par exemple. Ici, le droit va déroger en réalité à l'attribution native des droits d'auteur sur la tête d'une personne physique en permettant d'investir la personne qui est à l'initiative de cette œuvre et qui prend les risques de l'investissement et qui la publie, des droits d'auteur, c'est-à-dire une personne physique potentiellement ou une personne morale. C'est peut-être évidemment l'éditeur de l'encyclopédie qui sera ainsi investi des droits sur l'ensemble. Ce régime est un peu complexe puisqu'il permet à l'auteur de l'œuvre d'ensemble de rémunérer les auteurs des parties au forfait. Les auteurs des parties ne peuvent en principe pas réaliser une exploitation de leurs fragments qui serait concurrentielle de l'ensemble, mais ils pourraient, le cas échéant, faire une exploitation séparée de leurs fragments si cela est possible, si les apports ne sont pas complètement confondus et qu'ils peuvent revendiquer un droit sur une partie identifiable. Souvent, pour éviter cette difficulté, les éditeurs vont ajouter dans les clauses des contrats d'édition à l'identification de l'œuvre collective un contrat de cession pour s'assurer que les auteurs ne se livreront pas à cette exploitation séparée de leur contribution. Enfin, dernier cas de figure, l'œuvre dérivée. L'œuvre dérivée, c'est l'œuvre dans laquelle on incorpore une œuvre antérieure, une œuvre préexiste. Il n'y a pas eu de concertation avec l'auteur de l'œuvre préexistante, mais on souhaite néanmoins intégrer une partie de cette œuvre dans une œuvre seconde. Et ici, c'est le régime de l'autorisation préalable qui va prospérer, mais le code de la propriété intellectuelle considère néanmoins que c'est bien l'auteur de l'œuvre seconde qui est l'auteur du tout, c'est-à-dire de l'œuvre qui a incorporé l'œuvre première. Alors, très rapidement encore, quels sont les droits qui vont être déclenchés par l'existence de cette création? Donc, ce sont des droits qui ont conféré à l'auteur un monopole, à savoir que toute utilisation qui rentre dans le champ du droit d'auteur devra faire l'objet d'une autorisation préalable. Les droits qui sont conférés à l'auteur et à ses cessionnaires, puisqu'il peut céder ses droits, sont de deux natures. Lorsqu'il s'agit de droits patrimoniaux, il peut les céder, il ne peut pas les céder s'agissant des droits moraux. De deux natures, des droits patrimoniaux d'une part et des droits moraux d'autre part. S'agissant des droits patrimoniaux, c'est un monopole d'exploitation qui va durer pendant 70 ans, depuis la création de l'œuvre jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, et qui porte à la fois sur les actes de reproduction, donc copie des œuvres sur tout support, par tout moyen, également adaptation, traduction, sur le droit de représentation, c'est-à-dire le droit de communiquer cette œuvre au public, là encore, par tout moyen, récitation publique, divulgation de toute nature via Internet, etc., etc. Il y a également une prérogative spécifique qui s'appelle le droit de suite pour les auteurs des œuvres graphiques et plastiques qui vendent leurs œuvres aux enchères et qui peuvent être associés au profit de ces ventes successives. Il y a par ailleurs des droits moraux, ils se découplent en quatre prérogatives. Ils sont perpétuels, ils sont incessibles, donc on ne peut pas y renoncer de façon globale et anticipée. Il est possible de contracter sur des autorisations relatives aux droits moraux, mais l'auteur doit être en pleine connaissance des modifications, des altérations éventuelles qui pourraient être faites à son œuvre pour y consentir. Il ne peut pas déléguer de façon globale une autorisation générale de changer ou de modifier l'œuvre pour le futur. Alors, ces droits moraux sont de quatre natures, je disais. Le droit de divulgation qui donne à l'auteur le monopole de la décision de savoir s'il va livrer son œuvre au public et sous quelle forme il souhaite le faire. Donc, on ne peut pas normalement obliger quelqu'un qui n'envisage pas de divulguer son œuvre
de le faire sous certaines exceptions, et on verra que tel est le cas, notamment pour les agents publics. Il y a également un droit au respect à l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire que l'auteur ne peut pas, l'utilisateur de l'œuvre ne peut pas utiliser l'œuvre en la dénaturant, en la modifiant de telle manière qu'elle altère sa représentation, son intégrité. Cette intégrité est à la fois physique et intellectuelle, c'est-à-dire faire dire quelque chose à une œuvre, trahir l'intention de son auteur, peut constituer un acte de violation du droit au respect à l'intégrité de l'œuvre, notamment lorsqu'on pourrait citer dans une œuvre scientifique de façon tronquée et en faisant mentir, entre guillemets, la citation, ce peut être une telle atteinte. Il y a enfin le droit à la paternité qui permet à l'auteur d'être associé à l'utilisation de son œuvre en toute hypothèse et donc de voir figurer son nom, que son nom soit associé à la diffusion de cette œuvre, ou que d'ailleurs son anonymat soit préservé si tel est son cas et tel est son souhait. Enfin, une prérogative un peu plus exceptionnelle, un droit au retrait et au repentir qui permet dans des circonstances extrêmement exceptionnelles à un auteur de revenir sur sa décision de publication. Dans ce cas, il doit dédommager l'éditeur du préjudice qu'il subit du fait de cette rétractation, et la mise en œuvre de ce droit est assez exceptionnelle. Très brièvement, toujours dans cette introduction, je voulais juste vous signaler que s'agissant des œuvres logicielles, un certain nombre des éléments d'information que je vous ai donnés doivent être reconsidérés, en ce sens que dans le contrat de travail qui unit l'auteur du logiciel et l'employeur, eh bien, c'est la règle inverse de celle que j'ai évoquée tout à l'heure qui s'applique, à savoir que les droits sont dévolus à l'employeur et ne restent pas à la propriété intellectuelle de l'employé. Ceci vaut évidemment également pour des chercheurs qui développent des logiciels dans le cadre de leur recherche. Par ailleurs, le droit moral ici va s'appliquer de façon un peu plus rabougrie, puisque l'exercice du droit de retrait de repentir est exclu et que les altérations ne pourront être poursuivies de contrefaçon que si elles sont préjudiciables à l'honneur et à la réputation de l'auteur. Passons désormais au droit d'auteur dans l'enseignement et dans la recherche. Je vous propose de poursuivre cette discussion en prenant très classiquement un plan pour les juristes en deux parties. D'abord, envisager le droit d'auteur de l'enseignant ou du chercheur, c'est-à-dire la part créative des enseignants et des chercheurs, et de voir quels sont les droits qui peuvent être revendiqués à ce titre et l'exercice de ces droits. Et ensuite, nous verrons peut-être un peu plus brièvement, mais peut-on, l'hypothèse dans laquelle c'est l'utilisation d'œuvres de tiers par l'enseignant ou le chercheur, hypothèse à laquelle nous sommes régulièrement confrontés lorsque nous souhaitons utiliser des œuvres d'autrui ou les incorporer dans des cours ou dans des travaux de recherche. Là encore, se pose la question de savoir quelles sont les prérogatives et quelles sont les solutions que le droit de la propriété intellectuelle donne aux enseignants-chercheurs pour pouvoir réaliser ces usages. Tout d'abord, je ne sais pas pourquoi les slides, ça ne marche plus. Voilà. Alors, tout d'abord, le droit d'auteur de l'enseignant ou du chercheur. Nous allons envisager très brièvement la particularité des œuvres scientifiques. Ensuite, nous envisagerons les règles relatives à la titularité des agents publics, puisque nous sommes particulièrement intéressés par ces règles dans l'enseignement et dans la recherche. Et enfin, nous envisagerons les règles qui gouvernent les différentes politiques de publication, que ce soit une publication éditeur classique ou une publication open source.
La particularité des œuvres scientifiques par rapport à la définition que j'ai donnée très large du champ d'application du droit d'auteur vient de ce que souvent les œuvres scientifiques comportent énormément d'éléments factuels, de données brutes, dit-on, qui peuvent, le cas échéant, disqualifier le travail au titre du droit d'auteur. Il a été en effet jugé que lorsque un ouvrage scientifique reprend essentiellement des données de fait, des éléments historiques, différents événements qu'il rapporte, des éléments statistiques, etc., eh bien, ces données brutes ne peuvent être protégées. Et si finalement la forme est assez rudimentaire, la forme de restitution de ces données est assez rudimentaire, eh bien, il n'y aura pas œuvre au sens du droit d'auteur. Il a été jugé notamment que il était dans la nature de l'évolution scientifique que les publications renouvelées ou nouvelles portent sur les mêmes données et ayant le même objet voient le jour et adaptent la présentation des connaissances pour refuser une action contre façon. Les juges avaient ici, dans cet arrêt de la Cour d'appel de Riom, dénié tout caractère original d'une œuvre essentiellement constituée d'informations scientifiques et cliniques déjà connues et établies, parce que les définitions retenues constituaient en fait l'expression exacte d'une réalité scientifique commune. Donc il faut ici raison garder. Bien évidemment, plus il y a des choix créatifs dans le travail, y compris le travail scientifique ou le travail pédagogique, plus l'œuvre sera constituée, plus elle se rapporte à l'objet qu'elle décrit, moins elle sera protégée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un souci? Alors, si l'œuvre est reprise, si l'idée est reprise, je l'ai dit tout à l'heure, et non la forme, eh bien, le droit d'auteur n'aura pas de prise. En revanche, il a été admis par la jurisprudence que l'absence de citation, qui serait non conforme aux règles de citation d'usage dans les milieux scientifiques, eh bien, pouvait, le cas échéant, constituer une faute génératrice de responsabilité au sens de l'article 1382 du Code civil, qui désormais s'appelle 1240. Ainsi, même si l'œuvre n'est pas constituée, le travail scientifique devrait être cité au titre des usages, et cette absence de citation constitue une faute au sens du droit. Alors, passons désormais à la question assez importante de la titularité. Toujours en ayant à l'esprit les éléments de titularité que j'ai développés tout à l'heure, à savoir que de la création naît la titularité. Il y a eu néanmoins un certain trouble dans le passé sur la position particulière des agents publics. Ce trouble vient d'un avis du Conseil d'État de novembre 1972, dit avis Aufratem, par lequel le Conseil d'État avait nié que les agents publics en situation de création soient des auteurs, dès lors que les nécessités du service exigent que l'administration soit investie des droits de l'auteur sur les œuvres de l'esprit pour celles de ces œuvres qui ont fait la création même, qui ont fait, dont la création fait l'objet même du service. Par conséquent, la jurisprudence du Conseil d'État retenait que pour ce qu'on appelle les œuvres de service, qui ressemblent d'ailleurs aux inventions de mission en droit des brevets, eh bien, les droits soient finalement dévolus de façon un peu magique, sans contrat, à la personne publique employeuse de l'agent. Malheureusement, cet avis, qui n'avait pas été publié, avait donné lieu à des interprétations variées, notamment dans l'enseignement, puisque dans l'enseignement, des jurisprudences contradictoires avaient considéré, par exemple, que le professeur pouvait garder sa propriété intellectuelle, par exemple sur son cours oral, mais que
Ça, c'est la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 24 novembre 1992. Mais le tribunal administratif de Versailles, en 2003, avait, lui, jugé que le cours reproduit et diffusé auprès d'étudiants ne relevait pas de la propriété intellectuelle du professeur, mais entrait bien dans le périmètre de l'œuvre de service, et que par conséquent, c'était l'administration qui l'employait, qui en était investie, et non pas le professeur. En d'autres termes, la situation était un peu bazardeuse, et il était nécessaire que le législateur intervienne pour mettre fin à ces difficultés d'interprétation, sachant que certains agents publics se voyaient reconnaître leurs droits d'auteur, tandis que d'autres, pour le même type de création, n'étaient investis d'aucun des droits. C'était donc un peu compliqué à gérer, notamment entre l'université et le CNRS. Ainsi, la loi de 2006, loi DADVSI, est venue modifier le code de la propriété intellectuelle pour apporter un peu de clarification s'agissant du droit d'auteur de l'agent public. Cette clarification passe d'abord par une réaffirmation du fait que l'agent est un auteur comme les autres, c'est-à-dire que il bénéficie des droits d'auteur du simple fait de sa création. Il n'y a pas de dérogation systématique à cette qualité d'auteur du simple fait qu'il est agent public. Mais en revanche, dans le même mouvement, si je puis dire, le code de la propriété intellectuelle a introduit un mécanisme de cession de plein droit des droits patrimoniaux sur l'œuvre de mission. En effet, l'article L131.3 1, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, dispose que, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une personne créée par un agent, d'une œuvre créée par un agent public dans l'exercice de ses fonctions d'après les instructions reçues, est, dès sa création, cédé de plein droit à l'État. La même chose existe pour les collectivités, pour les agents des collectivités territoriales, des établissements publics, etc. Ainsi donc, tout en affirmant dans un premier mouvement la reconnaissance de la qualité d'auteur sur la tête de l'agent du simple fait de la création, on cède également dans le même mouvement ses droits nativement à la personne publique employeur dès lors que cette œuvre a été faite dans l'exercice des fonctions ou d'après les instructions qui ont été reçues par l'agent public. Cette cession légale a un périmètre limité puisqu'elle ne joue que lorsque ce transfert des droits à la personne publique est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public. Alors, pas nécessairement de la mission de service public de l'agent, mais d'une mission de service public. En revanche, si on excède le périmètre de la mission de service public, le Code de la propriété intellectuelle, à l'alinéa suivant de la même disposition, ne permet à l'État que de jouir d'un droit de préférence, notamment pour réaliser, le cas échéant, l'exploitation commerciale de l'œuvre. L'État peut donc avoir une logique de préemption en disant qu'il souhaite utiliser l'œuvre à des fins qui ne sont pas des fins de service public mais d'exploitation commerciale, mais dans ce cas, il n'y a pas de cession légale, il y a un droit de préférence, simple droit de préférence que la personne publique doit mettre en œuvre. Ce droit de préférence, c'est très important, ne joue pas lorsqu'il s'agit de partenariat public-privé, puisque ici, il y aurait évidemment une asymétrie entre les différents partenaires du projet scientifique et par conséquent, il n'y a pas de droit de préférence de la personne publique dans cette configuration. Alors, sur ce droit de préférence, le problème est que, en principe, le droit de préférence devait donner lieu à un intéressement lorsqu'il y a une exploitation de l'œuvre par la personne publique. Et cet intéressement devait en principe être précisé dans un décret subséquent à la loi, décret prévu à l'article 131.3.3 du Code de la propriété intellectuelle et qui, depuis donc
désormais 13 ans, n'a jamais été adoptée. Ce qui fait qu'il n'y a pour l'heure aucune contrepartie sonnante et trébuchante à l'attribution des droits, qu'elle se soit en cession légale ou en droit de préférence à la personne publique, au bénéfice des agents. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si le dispositif légal est bien applicable, en ce sens que est-ce que l'absence de décret et donc l'absence de contrepartie est susceptible de mettre à bas les mécanismes d'évolution et de préférence. C'est une question qui n'est pas traitée, sur laquelle il y a un voile pudique, mais qui pose évidemment une difficulté, puisque aujourd'hui, il y a une sorte d'insécurité juridique autour de la dévolution des droits des œuvres des agents publics aux personnes publiques et inversement, évidemment, une absence de rémunération supplémentaire pour les agents publics préjudiciable à leur enthousiasme, on va dire, à créer. Autre particularité de la titularité des agents publics, une dérogation au droit moral prévue à l'article L121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, puisque contrairement à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, eh bien, le droit de divulgation, c'est-à-dire la capacité qui en principe gît dans l'auteur de décider si oui ou non il diffuse son œuvre, eh bien, n'est pas complètement libre pour l'agent public puisque il s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. Par conséquent, il ne peut pas exercer de façon libre son droit de divulgation. Il doit, le cas échéant, divulguer son œuvre si cela répond aux contraintes du service. Pour finir néanmoins sur cette question de la titularité, il y a le cas particulier des universitaires, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent qui déroge au mécanisme traditionnel, ne vaut pas pour les agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leur fonction à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Cette disposition vide les universitaires, les droits des universitaires leur restent réservés. Il n'y a donc pas pour les agents qui jouissent de la liberté académique, de restriction à l'exercice de leurs droits d'auteur. Ils gardent la plénitude de leur droit moral. Il n'y a pas de cession légale de leurs droits à la personne publique qui les emploie. Donc, les universitaires ne sont pas investis des droits des universitaires sur leurs cours. Il n'y a pas non plus de droit de préférence qui joue. Les universitaires restent auteurs. Et si une personne publique souhaite jouir de ses droits, elle doit se les faire céder dans le cadre d'un contrat. Très brièvement, pour finir cette première partie, je voulais évoquer deux options différentes s'agissant de la politique de publication. Rappeler tout d'abord les règles de formalisme de l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle. Lorsqu'un auteur, un agent public, s'il peut jouir de ses droits, un enseignant, s'il n'est pas, par exemple, agent public, parce qu'évidemment, se pose la question de savoir quand on est agent public, si on est agent contractuel, si on est stagiaire, si on est un thésard, etc. Dans toutes les hypothèses dans lesquelles la dévolution ne se fait pas à la personne publique, l'agent reste maître de la possibilité de passer des contrats, notamment pour envisager la publication de ses créations. Le code de la propriété intellectuelle protège l'auteur par un formalisme contractuel qui oblige le contrat à prévoir de façon claire l'ensemble des utilités qui vont être transférées à l'éditeur ou au cessionnaire, puisqu'il faut que le contrat de cession précise le domaine d'exploitation quant à l'étendue, la destination, quant au lieu et quant à la durée dans laquelle l'œuvre sera utilisée. C'est une disposition extrêmement importante. Et si le contrat est flou, eh bien, il va être, la
j'appelle ça interpréter in favorem auctoris, c'est-à-dire que on va considérer que tout ce qui n'a pas été expressément cédé reste la propriété intellectuelle de l'auteur. Je passe un peu. Et deuxième option, qui désormais est encadrée par la, qui a été encadrée par la loi pour une république numérique, devenue inscrite notamment à l'article L533-4 du Code de la recherche, c'est la possibilité pour un auteur de se réserver un droit de seconde publication, en quelque sorte, lorsqu'un écrit scientifique est issu d'une activité de recherche qui est financée au moins par moitié par dotation publique et que cet écrit est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an. Son auteur dispose, même s'il a passé un contrat d'édition, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert par voie numérique le préprint, en fait, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication. Dès lors que l'éditeur met celle-ci gratuitement en ligne ou à défaut à l'expiration d'un délai comptant à compter de la date de première publication. Ce délai est de 6 mois maximum pour une publication dans le domaine scientifique et de 12 mois dans celui des sciences humaines et sociales. La version qui va être mise à disposition en open data ne peut pas faire l'objet d'une exploitation commerciale lorsque elle a fait l'objet par ailleurs d'un contrat d'édition. Il est très important de savoir que ces dispositions sont dites d'ordre public. Ainsi, un contrat passé avec un éditeur ne peut aucunement vous empêcher de mettre vos publications, par exemple, en archive ouverte à l'expiration du délai légal. Il n'y a pas de possibilité d'interdire cet exercice du droit. Voilà. Je vous propose qu'on arrête pour le moment et que l'on peut-être on passe à un moment de questions, puisque j'en ai terminé avec cette première partie et je suis à votre disposition pour essayer de clarifier les enjeux. Alors, avez-vous des questions dans la salle? Alors, oui, comme là, Madame Valérie Benabou devait être présente avec nous. Nous n'avons pas prévu là le problème technique. Mais, tu veux que je mette devant le. Oui. Oui, comme ça, moi, alors, je me demandais comment ça se passait pour ce qui était les bonjour. Bon, si tout le monde est dans la salle. Je me demandais comment ça se passait pour les thèses et aussi les mémoires de master, par exemple. Dans quelle mesure l'équipe qui encadre le doctorant ou la personne qui fait son mémoire est un petit peu co-auteur aussi ou a un droit de regard, enfin, est-ce qu'il y a une, ou alors est-ce que l'établissement est un peu co-auteur, a un droit sur l'œuvre du César ou de... par l'étudiant? Alors, comme tout bon juriste qui se respecte, je vais vous dire ça dépend, mais en principe, je vais vous dire non. En principe, l'idée, c'est quand même que c'est l'étudiant qui réalise sa création et que s'il le fait dans une certaine liberté de ton, de forme et qu'il n'est pas contraint, c'est bien sur sa tête que va naître son droit. Et le fait qu'en tant qu'universitaire, on les épaule et qu'on les aide et qu'on les guide dans leur choix, à la fois de bibliographie, voire leur demande de retravailler sur la forme de leur plan ou sur les idées, ne suffit pas à nous rendre co-auteurs. Pour être co-auteur, il faudrait que l'enseignant co-écrive en réalité, véritablement, se mette à la plume avec l'étudiant
ce qui, en principe, ne devrait pas être le cas, même si ça arrive parfois. Alors, et la personne publique, l'université, n'a pas de droit sur les mémoires de ses étudiants ou sur les thèses de ses docteurs. Sauf que, il me semble quand même que, enfin, je sais qu'en tout cas, nous, à l'ESP, on publie, on met en ligne sur une base, sur des bases, sur la base du MAS, les travaux des étudiants, enfin, en tout cas, les mémoires de master. Alors, c'est une pratique qui est, comment dire, très courante. Elle repose sur ce que je vais appeler une tolérance ou sur une politique qui est déterminée par l'établissement public. Pour la publication des thèses, c'est lié en fait à la logique de partage de la connaissance qui figure dans la thèse. Mais il faut savoir qu'un thésard peut refuser ou mettre sous embargo pendant une certaine période de temps la publication de sa thèse s'il souhaite en réserver l'usage à un éditeur commercial et donc limiter la nature de la publication de la thèse qui est opérée par l'établissement public. Je pourrais intervenir sur ce sujet-là. Qui est lorsque la diffusion électronique des thèses a été mise sur pied dans les années 2000, début des années 2000. C'est posé la question, qui a autorisé sur la thèse, est-ce que c'est un livre comme un autre, est-ce que c'est l'auteur? On ne s'entend pas très bien. Est-ce que c'est un auteur ou un autre, oui. Est-ce que c'est un document administratif du fait que c'est un travail qui donne lieu à l'obtention d'un diplôme universitaire? Donc, la question a été posée au ministère et la réponse du ministère à l'époque a été une thèse à une double nature, c'est-à-dire d'un côté, c'est un ouvrage de l'esprit dont la propriété appartient au César, et de l'autre, c'est un document administratif sous la responsabilité de l'université. Ce qui revient à dire que pour la publier, il faut la double autorisation du César et de l'université. Absolument. Tout à fait, j'adhère complètement. Ça n'est pas seulement un document administratif, Gada, c'est aussi une œuvre de l'esprit qui est protégée au titre du droit de la propriété intellectuelle sur la tête de son auteur. Après, effectivement, alors pour finir sur la première question, le degré d'implication dans le travail final est susceptible de conduire, le cas échéant, si on arrive à rapporter la preuve qu'on a contribué à la rédaction du document final ou que finalement l'étudiant n'était qu'un exécutant à l'intérieur d'un travail qui n'a pas maîtrisé, alors on peut revenir sur les qualifications d'œuvre de collaboration ou d'œuvre collective. Mais encore une fois, normalement, l'enseignant ne va pas jusqu'à faire le travail de l'étudiant. Donc, c'est lui qui est en principe chargé de mettre en forme les idées, même si elles ont été poussées par quelqu'un d'autre. Vous parlez des universitaires qui gardaient la licence de leur droit. Quand vous parlez des universitaires, est-ce qu'il s'agit seulement des enseignants et des enseignants-chercheurs ou aussi des personnels administratifs qui feraient un travail d'enseignement ou, par exemple, les ingénieurs pédagogiques qui accompagnent les enseignants et qui créent des contenus d'enseignement, est-ce qu'ils gardent leur droit aussi en tant que personnel administratif? Non, c'est vraiment... L'exception, elle est vraiment liée au statut des universitaires, des professeurs à l'université et même les chercheurs CNRS bénéficient de cette il faut vraiment que dans votre statut vous jouissiez d'une liberté académique pour pouvoir bénéficier de l'exception à la dévolution. En fait, dès lors que vous êtes dans un rapport hiérarchique statutaire par rapport à la personne qui vous emploie, vous devez subir le mécanisme de cette
sont légales au bénéfice de l'employé. Ça a été, pour vous dire les dessous de l'affaire, ça a été une disposition qui a été introduite en plein milieu du débat parlementaire sur la loi de 2010 par un de mes collègues juristes pour pouvoir extraire, déboter, si je puis dire, les universitaires de la situation légale, notamment. En fait, la préoccupation, c'était que si on perdait notamment notre droit de divulgation et la possibilité de pouvoir, le cas échéant, modifier le contenu sans l'autorisation expresse de l'enseignant, c'était susceptible finalement de nuire à sa liberté d'expression et à sa liberté académique. Donc, ça a été vraiment envisagé. Non pas, comme ça a été dit, pour que les universitaires gardent leurs droits et fassent de l'argent avec des contrats d'édition, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas toujours extrêmement rémunérateur, tout ça, mais plutôt pour s'assurer que l'université n'allait pas leur imposer ce qu'ils devaient dire ou ce qu'ils devaient livrer. Par rapport à justement la situation que vous évoquiez tout à l'heure, par rapport à la jurisprudence du professeur et des polycopiés qui avaient été reproduits par l'établissement, est-ce que c'était avant cette disposition ? Alors. Je vais juste vous communiquer les questions des personnes à distance. Oui. Du coup, alors, Alice Karn, du coup, nous écrit « Qui sont les universitaires, enseignants, doctorants ou personnel administratif ?» Les agents publics qui… alors, les universitaires, vous voulez dire au sens large ou ceux qui bénéficient de la dérogation. Et quand je parle d'universitaires qui bénéficient de la dérogation, je ne parle que des agents publics qui sont fonctionnaires de l'État et qui bénéficient de cette liberté académique. Ils ont des statuts extrêmement variés. Un thésard, il travaille effectivement à l'université, mais il n'est pas agent public, il ne bénéficie pas du régime de la liberté académique en tant qu'enseignant, et donc il ne peut pas jouir de cette disposition. Mais à l'inverse, son statut d'agent public, lui, n'est pas du tout évident, et donc il n'est pas du tout évident que le mécanisme de dérogation du droit à la personne publique s'applique, puisque au contraire, il n'est pas agent, donc il garde ses droits. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'étais sûre. Alors, Madame Alice Karn, si vous voulez plus de précisions, veuillez nous écrire. Alors, pour Madame Fiona Karn, bonjour Madame Benabou, concernant la thèse, après la soutenance, pourriez-vous revenir sur les délais légaux que le doctorant ou docteur doit respecter avant de faire publier sa thèse par la maison d'édition de l'université ou ailleurs ? Vous y avez répondu en partie, mais serait-il possible de récapituler ? Merci beaucoup. Il n'y a pas de délai légal. Il n'y a pas de délai légal. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'open source, la mise en open source. C'est-à-dire la possibilité, quand on a passé un contrat d'édition, de décider de mettre en publication ouverte, notamment dans les archives HAL ou des choses comme ça, de le faire quand bien même on a passé un contrat d'édition avec un éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de faire deux publications différentes avec des visées différentes. La publication commerciale avec un éditeur, d'une part, et la publication open source, d'autre part, quand bien même l'éditeur ne le ferait pas lui-même.
si l'éditeur, il y a des éditeurs qui vont publier directement aussi, enfin, après une certaine période de temps, de latence éventuellement en open source, et d'autres qui ne le font pas, eh bien, cette publication ouverte, elle n'est pas fonction du bon vouloir des éditeurs, elle figure dans la loi, elle est à la discrétion de l'auteur. Alors, l'auteur a la possibilité, il n'est pas obligé de mettre ses publications en publication ouverte. Il peut le faire, quand bien même le contrat d'édition le lui interdirait. Et là, c'est là que viennent les délais que j'ai évoqués tout à l'heure. Et cette disposition ne joue pas pour tout, elle joue pour des articles qui sont donc des écrits, premièrement, qui sont publiés dans une revue qui est périodique, puisqu'il faut qu'elle soit publiée au moins une fois par an. Et donc, cette disposition ne vise pas, les thèses. Juste dernière. Il n'y a pas de délai qui interdise de passer un contrat avec une maison d'édition à un thésard. Surtout eu égard, d'ailleurs, régime différent et très varié que les doctorants ou que les docteurs ont. Ils sont auteurs. Juste une question, s'il vous plaît, de Marc Falgaron. Bonjour, un photographe fonctionnaire pour une université ou une collectivité locale a-t-il des droits d'auteur sur ses photos ? C'est la réponse de la session légale. Si le photographe est un enfant, il y aura session a priori des droits d'auteur sur les photographies si elles sont effectuées dans le cadre de la mission d'après les instructions de l'employeur. Et cette session va intervenir pour l'ensemble des missions de service public que l'État ou que l'employeur remplit. En revanche, il dépasse, si la personne publique envisage de se livrer à une exploitation commerciale de l'œuvre, en principe, elle bénéficie d'un droit de préférence. C'est-à-dire que si l'auteur, par exemple le photographe, souhaitait commercialiser ses photographies, elle devrait d'abord en informer son employeur pour que celui-ci se mette en situation de préempter cette exploitation et dire non, c'est moi, je veux cette exploitation commerciale et donc je veux me faire attribuer vos droits pour l'exploitation commerciale. Il n'y a pas de session nouvelle ici, il faut que la personne publique se manifeste et en principe, cette manifestation devait s'accompagner d'un intéressement du fonctionnaire à l'exploitation qui aurait été réalisée par la personne publique. C'est là que j'expliquais. Comme le décret n'a jamais été mis en place, finalement, ce mécanisme de rémunération pour l'instant n'existe pas et par conséquent, on peut s'interroger sur la licéité de la situation dans laquelle la personne publique se prévaudrait de ce droit de préférence alors qu'elle ne dédommage pas ou qu'elle n'associe pas le photographe à l'exploitation commerciale. Donc en fait, pour moi, dans ce flou, dans le cadre de ce flou, qui perdure et qui est lié au fait que l'État ne veut pas dépenser d'argent pour rémunérer ses fonctionnaires lorsqu'il procéderait à des exploitations commerciales des œuvres, eh bien, dans le flou qui prospère, il me semble que le photographe demeure maître des exploitations commerciales de son œuvre dès lors qu'elle ne rentre pas dans le cadre d'une mission de service public. Parfait, je vous remercie pour ces questions. Très peu de jurisprudence. On est obligé souvent d'extrapoler par rapport aux dispositions légales. On entame la deuxième partie qui évoquera l'emploi d'œuvres d'autrui. Voilà, c'est ça. Alors là, on passe à une phase qui est je ne suis plus auteur, enfin, je ne suis plus. Moi, auteur, mais j'utilise, ou alors à l'intérieur de ma création, j'utilise les œuvres d'autrui, ce qui est souvent
notre situation. Nous sommes confrontés dans le cadre de nos missions d'enseignement, de recherche à une pluralité d'œuvres et nous envisageons évidemment de les utiliser avec un maximum de liberté. Bien sûr, il y a des droits des autres auteurs et comment se concilie finalement cette tension entre d'un côté les droits d'auteur des œuvres que l'on souhaite utiliser et cette nécessité de les utiliser à des fins d'enseignement et de recherche. Alors, le droit, heureusement, aménage un certain nombre de dispositions en faveur de la recherche et de l'enseignement, et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, le point de départ, c'est quand même... Madame, oui, vous pouvez nous partager... Voilà, parfait. Pour voir le les point slides. De départ, c'est ça, c'est que, en principe... Pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai tapé sur le truc. Voilà, en principe, si vous souhaitez utiliser une œuvre antérieure, eh bien, il faut demander l'autorisation préalable et individuelle au titulaire de droit pour envisager cette utilisation, et ce, y compris si c'est à titre gratuit. En fait, peu importe que vous fassiez de l'argent avec l'utilisation de l'œuvre ou que vous souhaitiez juste le faire dans un cadre non rémunéré, c'est une circonstance qui ne rentre pas en ligne de considération, l'autorisation est due et elle doit être préalable. C'est-à-dire qu'on prend un risque, par exemple, à mettre en ligne une œuvre sans avoir demandé l'autorisation et en disant simplement « si vous n'êtes pas d'accord, demandez-moi de la retirer », ce qu'on appelle l'opt-out, puisque dans la période intermédiaire, entre le moment où la personne aurait dû donner l'autorisation et le moment où elle se rend compte que l'œuvre est en ligne sans son autorisation, eh bien, vous êtes contrefacteur. Donc, contrefacteur, ça veut dire des dommages d'intérêt civil, le cas échéant, s'il y a une poursuite, et aussi potentiellement une sanction pénale, s'il y a une poursuite pénale. Et les sanctions de la contrefaçon sont violentes, puisqu'il s'agit de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc, c'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir à 2 fois avant de se livrer à une utilisation non consentie. J'attire votre attention sur le fait que même si l'œuvre est tombée dans le domaine public, c'est-à-dire même si les droits d'auteur ont expiré parce que l'œuvre n'est plus protégée de ses droits patrimoniaux, hein, je vous ai dit, protection qui dure normalement du fait de la création jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, en principe, évidemment, vous n'avez plus d'autorisation d'exploitation à demander, mais il faut quand même veiller à sauvegarder l'exercice moral des éventuels héritiers de l'auteur décédé, puisque si vous utilisez cette œuvre de telle manière qu'elle serait éventuellement dénaturante et qu'elle violerait le droit à l'intégrité de l'œuvre. J'aurais dû éteindre mon téléphone, ce que je n'ai pas fait, je suis désolée. La difficulté est que le droit moral va continuer à pouvoir s'exercer, y compris après la révolution des droits patrimoniaux. Et donc, il faut quand même avoir conscience que si l'usage qu'on envisage de faire de l'œuvre est extrêmement différent de l'œuvre d'origine, il serait plus prudent de prendre attache avec les héritiers pour s'assurer qu'ils ne vont pas s'opposer à cette utilisation qu'ils jugeraient dénaturante, sachant que, là encore, une violation du droit moral expose aux mêmes sanctions de la contrefaçon que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, ça, c'est le principe, mais en réalité, dans de nombreuses situations, les autorisations qu'il faut collecter, on les collecte auprès d'organismes de gestion collective, ce qu'on appelait avant les SPRD ou les sociétés de gestion collective, SACEM, SACD, ADAGP, SAIF, qui sont habilités en fait à gérer des répertoires.
c'est notamment le cas lorsque vous voulez diffuser non pas une œuvre en particulier, mais un certain nombre d'œuvres, par exemple en matière musicale, ou lorsque vous souhaitez tout simplement acquérir les droits d'exploitation sur une pièce de théâtre pour utiliser des illustrations d'œuvres picturales dans le cadre d'un cours, etc., etc. Alors, on va voir que, bien sûr, ce principe est temporisé pour les enseignants puisqu'on bénéficie d'un régime de facilitation, on va dire. Mais ça, c'est le principe général de l'autorisation préalable. Si on n'est pas dans le cadre de l'exception ou des accords cadres, eh bien, il faut aller taper à la porte des ayants droit, soit individuellement, soit auprès des sociétés, des organismes de gestion collective. J'attire votre attention sur le fait que pour les œuvres dites orphelines, c'est-à-dire celles dont on n'arrive pas à identifier qui détient les droits, les mécanismes de gestion collective obligatoires sont en train d'être mis en place, et que c'est le cas aussi pour ce qu'on appelle les œuvres indisponibles, c'est-à-dire les œuvres qui ne sont plus publiées, et dans ce cas-là aussi, des régimes d'autorisation facilités, on va dire, sont mis en place par à la fois au niveau national et au niveau de l'Union européenne. Je ne développe pas ici parce que ça me paraît un petit peu plus marginal. Éventuellement, je reviendrai sur des questions à posteriori. Alors, ça, c'est le principe, et c'est un principe qui peut être assez lourd, comme vous en doutez. Mais ce principe est temporisé par l'existence ou par la reconnaissance d'un certain nombre d'exceptions. D'exceptions au droit patrimonial, aux droits patrimoniaux, et non pas d'exceptions au droit moral, à proprement parler, qui figurent à l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle. Alors, cet article envisage un certain nombre de cas dans lesquels l'auteur ne peut interdire l'usage envisagé. Je n'ai pas développé toutes les exceptions de l'article 22.5 puisque certaines sont spécifiques, par exemple, aux personnes handicapées, etc. J'ai regardé celles qui étaient le plus à même d'intéresser le monde de l'enseignement et de la recherche. Alors, il y en a essentiellement 5 qui sont en vigueur et une data mining sur laquelle je reviendrai qui est en germination, on va dire. Alors, la première exception à laquelle on peut penser, c'est l'exception de citation. L'exception de citation qui figure à l'article 122.5, troisième paragraphe, qui dispose que, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source, cet auteur ne peut pas empêcher les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. Alors, d'aucuns appellent ça le droit de citation. Un débat sur la question de savoir si c'est un droit ou si c'est une exception. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout état de cause, vous voyez que la manière dont est formulée cette exception n'est pas la reconnaissance d'un droit absolu de citer des œuvres sans limite. En effet, la disposition est accompagnée d'un certain nombre de conditions, à savoir que la citation soit courte et qu'elle soit justifiée par une finalité, donc pédagogique ou scientifique, pour ce qui nous intéresse, et qu'elle soit incorporée dans une part d'œuvres citées et d'œuvres citantes, c'est-à-dire que la citation a vocation en principe à s'incorporer dans une œuvre citante. C'est la définition classique de l'exception de citation dans le droit français. J'attire votre attention sur le fait que le droit français s'inscrit quand même dans une perspective plus large qui est l'application du droit de l'Union européenne et que le droit de l'Union européenne est venu,
est venu un petit peu corriger cette appréciation au sens où la jurisprudence de la Cour de justice, dans un arrêt qu'on appelle l'arrêt Eva Maria Painter, s'agissant d'une exception dans un autre pays, mais qui était relativement similaire à l'exception française, estimait qu'on ne pouvait pas exiger cette brièveté, cette condition de brièveté et d'incorporation dans une œuvre citante, parce que l'exception de citation relève profondément de la liberté d'expression et qu'il fallait en fait se livrer plutôt à un examen du ratio de la nécessité de la citation au regard de la finalité de cette citation, et non pas envisager une pesée quantitative de est-ce que c'est court par rapport à l'œuvre citée, est-ce que c'est court par rapport à l'œuvre citante, qui est l'optique traditionnelle de la jurisprudence française. Alors, à ma connaissance, la jurisprudence, parce que cet arrêt de 2012, la jurisprudence française n'a pas véritablement dévié, ni non plus renié complètement ces principes. Donc, on va voir. Excusez-moi, je vais quand même décrocher parce qu'on m'appelle de façon répétée et c'est très inquiétant. Donc, allô ? Oui. Ah, c'est vous, d'accord. Oui ? Donc, je parle pour rien, hein, c'est ça, depuis tout à l'heure ? Parce que je n'osais pas m'interrompre, en fait, comme je ne savais pas qui m'appelait. Moi, il n'y a rien qui... Oui. Moi, il n'y a rien qui a changé depuis tout à l'heure, en fait. C'est vous que je ne vois pas, par contre. Donc, vous ne voyez plus rien depuis un petit temps, ou comment ça se passe ? Il y a marqué « Cette session est en cours d'enregistrement ». Il n'y a rien de… Moi, chez moi, il n'y a pas eu de modification. Rien ne s'est passé. Je ne sais pas ce qui se passe. Allô ? D'accord. Vous pouvez me dire quand est-ce que ça s'est arrêté, à peu près ? D'accord. Bon, ça fait pas longtemps. D'accord. Ok. J'attends que vous me rappeliez, donc. D'accord. Alors, je ne sais pas si tout le monde a un problème de connexion, mais apparemment, il y a un problème de connexion. J'entends. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. D'accord, moi je vous entends. Est-ce que vous voulez que je reprenne le cours ? Oui, alors on s'est arrêté là, au 2.2. Alors. Sur les exceptions de courte citation. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce que ça va ? Vous voyez le. On ne voit pas les slides. Vous ne voyez pas les slides. Ça y est, là, vous voyez ? Oui. Parfait. Alors, je reprends. Donc, la première exception à laquelle
penser quand il s'agit de l'usage dans le cadre pédagogique, c'est l'exception de citation qui figure à l'article 22.5, alinéa 3, qui dispose que, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et toutes sont justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle sont incorporées ne peuvent être interdites par l'auteur de l'œuvre. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur cette disposition qui est évidemment assez importante pour la liberté d'expression, pour savoir s'il s'agissait d'un droit de citation ou s'il s'agissait d'une simple exception et dans quelle mesure elle devait être interprétée restrictivement ou au contraire largement. Le droit français a pendant très longtemps retenu une interprétation relativement restrictive de cette exception de citation, puisque comme vous le voyez dans l'article 122.5, il y a un certain nombre de conditions de mise en œuvre qui entourent l'exercice de l'exception, à savoir que la citation soit courte, qu'elle soit justifiée par notamment un caractère pédagogique et scientifique, et que la citation soit incorporée dans une œuvre. En d'autres termes, on ne peut pas citer en dehors d'une œuvre qui serait l'œuvre citante, et le ratio de la citation, selon le droit français, est que la citation doit être à la fois courte par rapport à l'œuvre citée et par rapport à l'œuvre citante. Donc, c'est une perception assez restrictive de la citation qui est retenue par le droit français et par la jurisprudence. Il faut savoir en plus que la jurisprudence a tendance à n'appliquer cette exception de citation qu'en matière d'œuvres littéraires et à l'écarter en matière musicale ou en matière audiovisuelle. Alors, je peux peut-être parler un peu au passé parce que le droit français doit désormais s'interpréter aussi à la lumière du droit européen. La Cour de justice est intervenue sur cette question de la citation dans un arrêt Eva Maria Peiner à propos de l'utilisation d'une photographie dans le cadre d'un avis de recherche. Il s'agissait de cette pauvre jeune femme, Natacha Kampusch, qui avait été séquestrée par son beau-père en Autriche. C'était tout à fait glauque. Et en fait, on n'avait pas la possibilité de savoir à quoi elle ressemblait, hormis la possibilité d'utiliser une photo de classe et de réaliser un morphing sur cette photo de classe pour faire des appels à témoins. Et l'auteur de la photo de classe s'était opposé à cette utilisation qui avait été faite sans son consentement. Et on avait utilisé l'écriture de citation pour se prévaloir de cette possibilité d'utiliser l'œuvre de témoin. Et alors que la législation autrichienne retenait également cette exigence de courte citation, la Cour de justice a dit en fait il faut apprécier le ratio non pas au regard de l'œuvre, une œuvre incorporante et une œuvre incorporée, mais la nécessité de la citation au regard de la finalité qui est poursuivie. Et par conséquent, ouvre une interprétation beaucoup plus souple de l'exception de citation que celle qui est retenue traditionnellement par la jurisprudence française. Alors, à savoir, est-ce que la jurisprudence française va changer sa manière d'interpréter la citation? En principe, elle le devrait. Est-ce qu'elle l'a fait de façon spectaculaire pour nous? Nous sommes dans une phase de transition et probablement qu'il y a ici une marge d'interprétation plus large de la citation qui est en train de se mettre en place, notamment avec regard de la liberté d'expression. Alors, d'autres exceptions concernent plus particulièrement le monde de l'enseignement et de la recherche. C'est une exception qu'on appelle exception enseignement-recherche, qui permet de représenter ou de reproduire des extraits d'œuvres sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, j'y reviendrai. Donc, on peut représenter ou reproduire des extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Donc, ici, on autorise
les enseignants et les chercheurs à reproduire et à représenter des extraits, à condition que ces extraits servent exclusivement à l'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour la diffusion des sujets d'examen ou des concours. Vous le voyez, le texte de l'exception est extrêmement long. Cette exception est assortie d'un nombre important de conditions de mise en œuvre. La première, c'est que il s'agit d'un extrait, donc on ne peut pas utiliser l'œuvre en intégralité. C'est seulement dans le cadre de l'illustration de l'enseignement et de la recherche, et donc pas dans les activités qui pourraient être périphériques, et notamment récréatives. Il ne faut pas non plus que cette reproduction donne lieu à une exploitation commerciale. Cette utilisation doit être compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. Et il faut s'assurer qu'en réalité, l'utilisation de l'œuvre s'inscrit dans une diffusion qui est limitée au public des étudiants ou des chercheurs directement concernés. Donc, on voit que on n'est pas du tout sur une liberté d'usage très large, mais sur une exception qui est très, 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 de façon très pointilleuse, détaillée par le code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, sur le fondement de cette disposition, on a une petite marge d'utilisation libre, je reviendrai, et elle s'est accrue parce que des mécanismes d'accord cadre ont été conclus entre les endroits et les grands enseignements, les grands établissements et les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, je passe aussi à travers d'autres exceptions auxquelles on peut songer, qui sont peut-être un petit peu moins importantes, un peu plus anecdotiques. L'exception de parodie. L'exception de parodie qui permet d'utiliser une œuvre sans limite, sans rémunération, dans le cadre de la parodie du pastiche et de la caricature, compte tenu des noms du genre. L'idée, c'est donc ici une intention humoristique ou critique. Alors là aussi, la Cour de justice, dans un arrêt du 3 septembre 2014, est venue élargir le périmètre de la parodie tel qu'on l'envisageait traditionnellement. D'abord pour introduire une dimension qui serait plutôt de critique politique que une véritable parodie rigolote, si je puis dire. D'autre part, pour signifier que ce qui était important, c'est que finalement, il n'y ait pas de risque de confusion entre l'œuvre qui a fait l'objet de la parodie et la parodie elle-même. Donc, il y a là aussi une marge d'utilisation de l'exception de parodie qui va peut-être un peu au-delà de l'humour, de la simple condition humoristique, pour appréhender des usages plus critiques. Mais malgré tout, la parodie n'est pas une exception qui peut faire levier, si je puis dire, pour l'utilisation traditionnelle ou quotidienne des œuvres dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. C'est tout à fait anecdotique. Alors, très brièvement, l'exception dite bibliothèque. La loi a été introduite une exception dite numérisation, en fait, pour permettre aux bibliothèques, services d'archives, musées de réaliser des reproductions de leurs fonds à des fins de conservation ou destinées à la consultation, mais dans une consultation qui se fait in situ dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés. C'est donc pas de possibilité de numérisation pour des diffusions qui pourraient se faire sur Internet. Et très brièvement, les licences légales. Alors là, c'est une autre figure que les exceptions. Ce ne sont pas vraiment des exceptions qui ouvrent la possibilité d'une liberté d'usage dans le cadre de l'article 122.5. Ce sont plutôt des reconfigurations de droits de telle manière que ces droits ne soient plus des droits exclusifs, mais
plutôt des droits à rémunération. Tel est le cas pour la reprographie et pour le prêt public. L'article 122 du Code de la propriété intellectuelle dispose que dès lors que l'on publie une œuvre, cette publication porte cession du droit de reproduction par reprographie d'un organisme de gestion collective. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire une photocopie, pour dire les choses plus simplement, vous n'êtes pas obligé de demander l'autorisation à l'auteur de l'œuvre de cette de l'œuvre qui fait l'objet de cette photocopie. Il y a une négociation qui se perd de façon collective entre votre établissement et le CFC. Le CFC, pardon, le Centre français de copie, et cette négociation collective va couvrir les usages de reprographie qui s'opèrent dans les établissements d'enseignement et de recherche. Donc, vous n'avez pas individuellement à vous préoccuper de cela, sauf à remplir les grilles qui permettent d'identifier les œuvres qui ont été photocopiées, de façon à pouvoir ensuite opérer une répartition des sommes selon le succès, on va dire, le nombre effectif de copies qui ont été réalisées dans ce cadre. J'attire votre attention sur le fait que cette disposition est un peu techniquement obsolète parce que l'article 122.10 vise la reprographie au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire une reproduction par technique photographique. Le scan n'est pas une reprographie. Il n'y a pas de technique photographique. Ça n'est pas assimilé à une technique photographique. Scanner un document constitue un acte de numérisation qui n'est pas couvert par le droit de reprographie. Là, évidemment, envoyer les fiches de TD aux étudiants des universités, qui est en fait l'usage numérique équivalent du droit de reprographie, n'est pas couvert par cette disposition et pose la difficulté de savoir dans quelle mesure elle est couverte par d'autres exceptions, l'exception d'enseignement et de recherche, qui parfois ne couvre pas, vous le rappelez, qui ne couvre pas la reproduction intégrale d'un article, par exemple, mais seulement la reproduction d'extrait. Le droit de prêt public, l'article 133.1 du Code de la propriété intellectuelle a mis en place un système de droit à rémunération au profit de l'auteur lorsque une œuvre fait l'objet d'un prêt public. Là encore, pas donc je demande d'autorisation préalable à l'auteur pour pouvoir mettre un ouvrage dans le cadre d'un prêt public, c'est également un mécanisme de rémunération qui est déterminé de façon collective. Pour finir, je voulais juste, et de façon la plus pragmatique en fait, envisager au-delà de l'analyse un peu restrictive que j'ai pu donner des exceptions, la pratique a pris le relais et que on ne s'en tient pas en réalité au quotidien à une lecture individuelle et complexe de l'exception à des fins d'enseignement et de recherche parce que un certain nombre d'usages sont élargis à travers notamment des accords cadres et vont faire probablement l'objet d'un élargissement futur dans le cadre de la transposition de la dans le cadre de la future transposition de la directive droit d'auteur marché unique numérique qui a été adoptée en avril dernier. Sur les accords cadres, je ne sais pas combien de temps je dispose encore, est-ce que vous pouvez me dire s'il me reste combien de temps, puisque est-ce que le temps d'interruption bon, alors, il reste 5 minutes. D'accord, donc je continue. Les accords cadres, en fait, l'exception à des fins d'enseignement et de recherche, je vous l'avais signalé, doit être compensée. Et le mécanisme de compensation induit un mécanisme de
de négociation collective entre le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, les organismes de gestion collective, de façon à avoir une somme globale qui permet de couvrir les usages, de compenser les usages prévus par l'exception. Mais à l'occasion de cette négociation, en réalité, l'accord cadre dépasse le champ de l'exception telle qu'elle figure dans le code de la propriété intellectuelle pour aller un peu au-delà de ce que permet cette exception et cette fois dans le cadre finalement d'une autorisation globale négociée par les tutelles en quelque sorte. Alors malheureusement, le site education.gouv est en réparation, enfin il était inaccessible, ce qui fait que je n'ai pas pu vérifier l'état au jour d'aujourd'hui des accords en question. Donc je vous engage à aller jeter un coup d'œil le cas échéant, puisque un certain nombre sont reconductibles, mais que celui qui a été conclu le 22 juillet 2016 est reconductible jusqu'à la fin 2019, ce qui laisse ouvrir peut-être une période d'incertitude sur sa reconduction. Je ne sais pas si l'accord a été renégocié pour le futur. Donc c'est là-dessus que j'avais voulu vérifier, mais je n'ai pas eu l'accès au site. Comme vous voyez, un montant de 2 millions est versé chaque année par les ministères de tutelle aux sociétés pour conduire à cette compensation globale, compensation d'exception, mais aussi paiement de rémunération en contrepartie des usages qui sont prévus dans l'accord cadre, mais qui dépassent le périmètre de l'exception. Alors, que cet accord cadre prévoit ? La première chose que vous voyez, c'est que l'accord cadre permet des utilisations par les enseignants et les chercheurs, mais aussi par les élèves, ce qui ne relève pas clairement de l'exception à proprement parler, l'exception visant des usages à des fins d'enseignement et de recherche. Alors, est-ce que véritablement un élève fait un usage à des fins d'enseignement ou de recherche ? Tout à fait discuté. Il le fait dans le cadre, mais pas à des fins, puisqu'il n'enseigne pas et qu'il ne cherche pas. Mais là, dans l'accord cadre, les usages des élèves sont inclus. Et c'est évidemment extrêmement important en pratique. Des travaux peuvent être, par exemple, utilisés dans l'intranet de l'établissement. Les travaux pédagogiques et de recherche peuvent contenir donc des extraits de textes protégés par extrait, on a précisé la notion d'extrait, une partie ou un fragment d'une œuvre d'ampleur raisonnable et non substituable à la création de son ensemble. Pour une partition, par exemple, ce n'est pas plus que 3 pages consécutives. Pour un manuel scolaire, l'extrait ne doit pas non plus dépasser 3 pages consécutives, 10% de la pagination du manuel. On reste néanmoins, comme vous pouvez le voir, accroché à l'idée d'extrait, c'est-à-dire que l'utilisation intégrale d'une œuvre n'est pas possible, y compris dans le bénéfice de l'exception, mais y compris dans l'accord cadre. L'utilisation, en revanche, peut se faire de façon intégrale pour des images, mais ici c'est le volume des images qui est limité. Pour la vidéo, ici c'est le volume là encore qui ne doit pas dépasser 6 minutes. Pour les extraits musicaux, ce n'est pas au-delà de 30 secondes. Et il faut en tout état de cause faire une déclaration au Centre français de copie, au CFC, pour s'assurer de surcroît que les œuvres que vous utilisez rentrent bien dans le périmètre des usages, rentrent bien dans le champ d'application des œuvres qui sont gouvernées par ces accords, puisque certaines œuvres peuvent y être soustraites, notamment pour les œuvres qui ne sont pas des œuvres françaises. Il n'est pas du tout évident que l'accord puisse s'appliquer avec des éléments d'extranéité. L'utilisation peut aussi être faite à propos d'une projection d'écoute dans l'établissement ou
par diffusion numérique ou en visioconférence, toujours à un public majoritairement constitué d'élèves, d'enseignants ou de chercheurs. Ce qui fait que pour agrémenter mon PowerPoint, par exemple, j'aurais pu, eu égard à la destination exclusive de ce webinar, utiliser des œuvres protégées en tout ou par, enfin en partie, des extraits. Mais si ce webinaire est ouvert plus largement à des gens qui ne sont pas des chercheurs, je ne peux pas le faire sans être en contrefaçon. Vous voyez que la limite est ténue, notamment au regard des usages numériques, lorsqu'on essaye d'ouvrir à des publics plus vastes que le public d'enseignement et de chercheurs et d'élèves. Est-ce qu'il faut être enregistré pour le webinaire? Est-ce que ça suffit pour être élève? Est-ce qu'il faut être élève inscrit dans un établissement? Enfin, toutes sortes de questions qui sont évidemment extrêmement sensible. Là encore, vous pouvez utiliser dans ce cadre-là extraits de textes, images protégées, cette fois sans limitation en nombre, des extraits musicaux et des extraits vidéo. Je ne développe pas. Vous pourrez regarder les slides si vous souhaitez. S'agissant de l'utilisation dans une thèse, l'accord 4 prévoit que les doctorants peuvent insérer dans leur thèse des extraits, textes, images, vidéos, musique enregistrée et mettre leur thèse en ligne dans le cadre de l'intranet, de l'extranet, mais aussi sur Internet, dans les mêmes limites indiquées ci-dessus, avec des réserves supplémentaires. Aucune partition ne doit figurer dans une thèse lorsque celle-ci est diffusée sur Internet et les extraits ne doivent pas pouvoir être indexés de quelque façon que ce soit par un moteur de recherche ni pouvoir être extraits du document mis en ligne. J'attire votre attention sur le fait que même si elle a l'air complètement anecdotique, cette disposition pose des problèmes énormes dès lors que vient le temps du text and data mining, puisque précisément c'est en ayant les métadonnées de tout ce qui figure dans un travail de recherche que l'on peut faire un très bon on peut faire de la fouille de données de bonne qualité. Dès lors que il y a un empêchement à l'indexation de ces extraits, eh bien ils ne seront pas trouvables dans le cadre de la fouille de texte et ça vide un petit peu de son sens une grosse partie de l'intérêt de la fouille de données au regard de cette disposition. L'exception à des fins d'enseignement de recherche, pour finir sur ce point, va également faire l'objet d'une extension future dans le cadre de la transposition de la directive, puisque la directive, dans son article 5, a décidé d'étendre un peu le champ d'application de l'exception qui figurait dans la directive de 2001 auparavant, notamment pour pouvoir couvrir des échanges transfrontières. C'est-à-dire lorsque vous avez des partenariats avec d'autres universités, d'autres centres de recherche, vous voulez échanger des contenus dans le cadre de la mission de recherche, eh bien, cette disposition a décloisonné ceci puisque on avait une vision assez limitée. Hein, vous avez vu intranet, diffusion sur le site, mais là on ouvrirait à des échanges transfrontières. Évidemment, cet élargissement est conditionné par un certain nombre de limites et par le fait que lorsque cet échange au moyen d'environnement électronique sécurisé est réputé avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. C'est un peu compliqué ici à mettre en œuvre quand il y a un partenariat. Comment est-ce que ça se passe exactement? La directive ne le dit pas et je pense que ça doit être des discussions au sein de la transposition. Enfin, dans les perspectives d'élargissement des usages, j'ai évoqué tout à l'heure une exception qui est à l'état embryonnaire, c'est l'exception de text and data mining. Cette exception a été introduite par la loi pour une république numérique et elle est pour l'instant paralysée par l'absence de décret. Un décret de fixer ces conditions de mise en œuvre et ce décret n'est pas entré en vigueur pour la bonne et simple raison que
le Conseil d'État a considéré que nous n'étions pas compétents pour légiférer dans ce domaine avant que la directive ne soit entrée en vigueur, la directive qui prévoit une exception de texte and data mining ne soit entrée en vigueur. Donc, l'exception de texte and data mining, pour l'instant, existe théoriquement dans la loi, mais elle flotte en absence de disposition de mise en œuvre. Sans doute que ce problème sera résolu au courant de l'année 2020, au moment de la transposition de la directive. Cette exception de fouille est extrêmement importante en pratique aujourd'hui au regard des procédés de numérisation des fonds qui permettent de faire de la recherche de façon extrêmement sophistiquée avec des outils de fouille. Pour l'heure, il faudra donc attendre 2020 pour savoir à quelle sauce les universitaires et les académiques seront mangés pour les chercheurs pour faire du texte de data mining. Vous noterez néanmoins que ce soit d'ailleurs dans le texte français, mais aussi dans le texte européen, cette exception suppose de partir d'une source licite. Les éditeurs considèrent que cette condition de source licite suppose une autorisation préalable des éditeurs de fouiller les contenus. C'est une chose qui, évidemment, est tout à fait sujette à discussion. Est-ce que on est obligé de passer par un accord préalable avec les éditeurs pour fouiller les fonds lorsque ceux-ci ne remettent pas des accès particuliers si on fait soi-même son fonds documentaire, qu'est-ce que c'est que la source licite ? C'est quelque chose qui est en question. Enfin, et pour terminer, j'espère que vous avez encore un poil d'attention, on peut s'interroger sur la possibilité pour les enseignants et les chercheurs d'utiliser une œuvre ou une partie d'une œuvre au nom de la liberté d'expression, de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux. Cet été, trois arrêts du 29 juillet 2019 rendu par la Cour de justice ont énoncé qu'il n'était pas possible de faire valoir la liberté d'expression en dehors des exceptions qui figuraient dans les textes, que donc on ne pouvait pas se prévaloir de cette liberté d'usage si elle n'était pas elle-même organisée par les textes spécifiques aux droits d'auteur. Néanmoins, elle a donné cette indication que les exceptions nommées, c'est-à-dire les exceptions dont je vous ai parlé, devaient sans doute être interprété à la lumière de ce principe de liberté d'expression, de façon à donner davantage de souplesse dans les usages, en justifiant ces usages par la liberté d'expression. Donc ici, une perspective limitée, mais une perspective quand même d'élargissement des usages au regard des systèmes stricts d'interprétation des exceptions que nous connaissons en droit français, par un élargissement, une flexibilité, une certaine flexibilité de cette interprétation au regard de la liberté d'expression. Voilà. Alors, j'arrête le PowerPoint et je reviens à vous pour des questions s'il y en a. Je vais juste activer la webcam. C'est encore moi. Moi, j'ai une question sur la déclaration des œuvres, donc dans le cadre de la publication d'œuvres avec un pédagogique, quand on cite des œuvres dans un cours, etc. Quid de la déclaration, notamment des qui va être vidéo, photo, etc. Pour les textes, c'est le CFC, mais est-ce que c'est aussi le CFC qui s'occupe des extraits de films, de vidéos qu'on trouve en ligne, Alors, moi, je vous ai dit quelle était la lettre. Il y a un vrai delta entre... Je suis ancienne, donc il y a un vrai delta entre la lettre et la pratique. C'est-à-dire que
les accords cadres ont quand même été faits pour que individuellement les enseignants n'aient pas à se préoccuper de ce qu'ils faisaient avec les œuvres dans le cadre de leurs cours ou dans le cadre des usages limités qui sont couverts par l'accord cadre. C'est vrai qu'en réintroduisant cette idée qu'il faut s'assurer qu'en fait les œuvres qu'on utilise sont bien couvertes par l'accord, ça réintroduit une difficulté colossale pour l'enseignant. Et je dois vous dire que je ne sais pas quels sont véritablement les canaux qui sont utilisés pour connaître ce répertoire. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Sur le CFC, il y a un répertoire des œuvres concernées, mais moi, il me semble que ce sont des œuvres imprimées, pas du tout des œuvres absolument. Donc, c'est tout le paradoxe, c'est qu'en fait, la disposition a été envisagée au regard du répertoire propre du CFC. Donc, le CFC sait ce qu'il gère, évidemment, mais n'est pas habilité à déterminer quels sont les autres types d'œuvres qui sont couverts par l'accord cadre pour les œuvres graphiques, plastiques, audiovisuelles, musique. Ouais. D'accord. Et toujours sur cette histoire de déclaration. Pour éviter d'être trop anxiogène, dans la mesure où ces accords cadres ont été signés par des sociétés de gestion collective, on peut quand même présumer que les répertoires des organisations de gestion collective qui ont signé les accords cadres sont inclus dans les usages, que l'ensemble des répertoires que gèrent ces sociétés sont évidemment couverts par le répertoire de la SACEM, le répertoire de la SACD, etc., etc. Le gros problème qui surgit depuis un petit temps, notamment en matière musicale, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont retiré leurs droits des catalogues SACEM parce qu'ils préfèrent faire de la gestion directe. Et là, pour ces œuvres-là, qui ne sont plus dans le catalogue de la SACEM parce qu'ils ont perdu une partie des droits, il faudrait, puisque ça n'a pas été négocié directement avec les éditeurs, mais avec des organismes de gestion collective qui ne les représentent plus, il faudrait demander directement l'accord aux éditeurs sans passer par l'accord cadre. C'est très compliqué. Si on veut rentrer, si on veut être légaliste, c'est pas du tout évident de connaître exactement les œuvres auxquelles on a le droit dans le cadre de l'accord cadre et celles qui dépassent le cadre de l'accord cadre. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est-à-dire revenir sur un système d'autorisation préalable. Et alors, sur cette histoire de déclaration, puisque il y a certains établissements où il y a une cellule qui est chargée de faire circuler parmi les enseignants des formulaires où on remplit j'ai utilisé ceci, j'ai utilisé cela, etc. Et il y a d'autres endroits où ce n'est pas fait. Est-ce que c'est une obligation de l'établissement d'enseignement supérieur ou pas? Enfin, quelle est la règle là-dessus, l'usage, ou enfin, ce qui est préconisé par. Alors, moi, je vais vous dire, là, il n'y a pas de, il y a pas véritablement, à ma connaissance, d'uniformité dans le traitement. Je vous donne l'expérience cette fois, une expérience empirique en tant qu'enseignant chercheur. J'ai dû voir dans ma vie trois fois des formulaires. C'était pour les fiches de TD et pour la reprographie. Je n'ai jamais était à aucun moment destinataire d'une information des différents établissements dans lesquels j'étais, censée répertorier les œuvres que j'utilise dans mes PowerPoints en classe ou quoi que ce soit. Enfin, personne n'a jamais informé quelconque obligation de notification de contenu que j'utilise. C'est totalement au petit bonheur la chance. Mais ça devrait être la responsabilité de l'établissement, puisque c'est lui qui est signataire, non? Puisque c'est le ministère. Ça devrait être à la responsabilité de l'établissement de demander à ses agents de leur signaler un décompte en fait de ce qu'ils
utilisées. Alors, en réalité, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas une violation véritable du droit d'auteur, parce que c'est plutôt un problème de répartition. C'est-à-dire que les sommes qui vont être versées par le ministère ne pourront pas être allouées de façon juste au regard des usages réels qui sont faits des œuvres par les enseignants-chercheurs. Je pense qu'en fait, les sociétés de gestion collective accommodent et réalisent des mécanismes de répartition qui sont approximatifs à partir de sondages ou en extrapolant selon d'autres usages qui sont faits par ailleurs de ces mêmes œuvres pour réaliser les répartitions. C'est sûr que là, pour le moment, on a une information complète sur ce qui se passe à l'université, quelles sont les livres qui sont utilisés, celles qui ne sont pas. Ah, ça a un peu marché pour la reprographie. Recherche. Merci. Je vais être pudique sur ce point. Alors, je vais vous communiquer des questions de monsieur Marc Falgaron. Une question concernant des publications audio d'enregistrement de cours en visioconférence sur la plateforme Moodle. Les enseignants utilisent des extraits audio issus de musique ou de films. Quels sont les risques encourus si les extraits sont de plus de 30 secondes? Qui prend des risques, l'enseignant ou le technicien qui publie le cours? Alors, je n'ai pas tout à fait entendu le début de la question. Est-ce qu'il s'agissait d'une diffusion sur YouTube, c'est ça ou non? C'est une publication audio d'enregistrement de cours en visioconférence sur Moodle. Ah, sur Moodle, d'accord. Okay. Alors, si vous dépassez le temps qui est prévu dans l'accord cadre, en principe, l'usage n'est plus couvert. Par l'accord cadre. Il n'est plus non plus couvert par l'exception des fins d'enseignement de recherche, sauf à considérer que ça reste un extrait, mais c'est à vous de. Enfin, voilà, le problème, c'est cette zone risque d'incertitude sur qu'est-ce que c'est qu'un extrait et à partir de quand, quantitativement parlant, on dépasse la notion d'extrait. Si on se réfère à la définition et à la quantité qui figure dans l'accord cadre, ça veut dire que si on va au-delà, eh bien, on n'a pas l'autorisation en tant qu'enseignant-chercheur. En tant qu'institution, on n'a pas l'autorisation. Et en tant qu'enseignant-chercheur, à titre individuel, on n'a pas l'autorisation non plus. Et par conséquent, on engage notre responsabilité au titre de la contrefaçon parce qu'on n'a pas l'autorisation de le faire. Alors, ça, c'est encore une fois, c'est la théorie. C'est un peu effrayant comme théorie, parce qu'on se dit qu'on est potentiellement contrefacteur de façon répétée, parce qu'on utilise et qu'on va au-delà des quantités qui sont reconnues par l'accord cadre. Il faut se garder de paniquer, parce qu'en réalité, il y a très peu, je l'ai dit déjà, de contentieux. Les contentieux interviennent sont rarissimes quand il s'agit de véritables utilisations dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Là où il faut s'inquiéter, c'est quand en fait on crée une dissémination de l'œuvre au-delà du public cible et sur des vecteurs qui sont susceptibles de permettre une évaporation de l'œuvre ou en tout cas une viralité de l'œuvre. De son support, de son accessibilité, qui aille très très au-delà de l'usage pédagogique dans lequel il était envisagé. En fait, c'est, je ne voudrais pas dire ça parce que je suis premier droit, mais si on est dans de la gestion de risque, en fait, et on est dans de la gestion de risque d'envisager l'usage au regard des risques pour l'ayant droit que son œuvre se retrouve un peu n'importe où sur les réseaux. En tout ou partie et sans être en capacité d'en contrôler la circulation. C'est ça qui va être déterminant dans le risque. Alors, s'agissant de la question de l'utilisateur, du spectateur, c'est, alors,
Est-ce que c'est le technicien qui met en ligne ? C'est une bonne question. Le technicien qui met en ligne, est-ce qu'il est véritablement responsable à titre personnel de cet acte de communication du public ? Il participe en tant que technicien, mais est-ce qu'il a un intérêt en réalité à la réalisation de cet acte ? C'est une question qui peut se poser. En réalité, elle n'est pas traitée, hein, je n'ai pas de réponse dans ma besace. Si j'extrapole par rapport à certaines jurisprudences, il y a un certain nombre de personnes qui disent que dès lors qu'on participe à l'acte de communication publique, y compris par la fourniture de moyens techniques, on est soi-même diffuseur. Mais il y a d'autres dispositions qui disent que la simple mise à disposition de matériel technique n'est pas constitutive de cet acte. Donc, en gros, si vous fournissez les moyens mais que vous ne fournissez pas l'accès, vous n'êtes pas contrefacteur. Si vous fournissez les moyens et l'accès, vous pouvez être considéré comme étant également contrefacteur. Donc, théoriquement, il y a encore très théoriquement, dans certaines hypothèses, le technicien pourrait être dans la boucle. Mais ça n'arrive pas. Il faut aussi ne pas s'inquiéter exagérément pour risque. Alors, une dernière question de Nicole Coursinthe. Dans les illustrations, concernant les illustrations dans les supports de présentation des livres, doit-on mettre uniquement des images libres de droit ? Peut-on mettre des photos de couverture de livres ? Je vous ai entendu extrêmement mal. J'ai entendu un mot sur deux, ce que vous pourriez dire. Concernant les illustrations dans les supports de présentation des MOOC, doit-on mettre uniquement des images libres de droit ? Ou bien peut-on mettre des photos de couverture de livres ? Alors, vous avez remarqué que j'ai très peu illustré mon slide. Je voulais justement vous dire que si on était extrêmement précautionneux, c'est à peu près à ça qu'on parvenait. C'est-à-dire, je suis allée sur Google, j'ai cherché des illustrations en CC, enfin en Creative Commons pour m'assurer que ça ne poserait pas de problème, sauf les bins, parce que les bins, eux, sont protégés par les droits d'auteur. Question est en fait là encore ma réponse va être d'une grande approximation et je m'excuse par avance, c'est que théoriquement si cet usage dépasse l'accord cadre, c'est-à-dire ne rentre pas dans le cadre d'une limitation de la destination des books à des élèves. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par élève ? Est-ce qu'on entend des élèves qui sont inscrits dans un établissement universitaire précis ? Est-ce qu'on entend les élèves de façon générale, comme des apprenants, quel que soit leur statut ? Ça, ça n'est pas réglé. Dès lors qu'on a cette possibilité d'interprétation sur la notion d'élève et de la destination de gens qui ne sont pas véritablement des élèves, eh bien, on sort de l'accord cadre et là encore, le risque des bagatelles. Voilà. Donc, la prudence, en tant que. Moi, je suis souvent confrontée, je fais des slides avec beaucoup de photos, beaucoup de choses en général, et je suis souvent confrontée à cette question qu'après, on veut mettre mes slides en ligne, et je dis toujours, mais je ne veux pas. Voilà, à partir du moment où ces slides sont. Sont plus destinés de façon précise à un public d'élèves ou d'étudiants, je n'ai pas les droits sur les photos et par conséquent, vous faites des illustrations et par conséquent, vous mettez en ligne, vous devez, vous êtes ceux qui doivent demander une autorisation. Et voilà. Et donc, je ne garantis pas dans les conférences ou les choses dans lesquelles je vais. Je ne garantis pas la jouissance paisible des droits puisque je précise que je n'ai pas les droits et que par conséquent, c'est à celui qui envisage de faire la diffusion en dehors du cadre dans lequel je l'ai opéré de donner les autorisations.
Merci. Avez-vous d'autres questions? Alors, juste, je veux juste à votre cas. Moi, j'ai une question relative à la reprographie d'œuvres. Ça ne marche pas du tout, là. Je ne vous entends pas du tout. Ouais. Moi, j'ai une question relative à la reprographie d'œuvres dont les droits d'exploitation sont tombés dans le domaine public. Typiquement, une reproduction de tableaux. Est-ce que sur... sur le fichier image, enfin sur l'image produite, y a-t-il des droits d'auteur afférents ou alors, par exemple, est-ce qu'on peut acheter une image à la RMN et l'utiliser comme bon nous semble sans délai d'extinction de droits d'utilisation? Alors, quand vous parlez de reprographie, vous parlez bien seulement de photocopie, on est d'accord hein, parce que... Non, de reprographie, de reproduction par appareil photo d'un tableau, mais qui ne demande aucune œuvre de création, pour le coup. D'accord. Donc, en fait, OK. La RMN protège ces fichiers sur l'utilisation. Est-ce qu'on est en droit de simplement acheter leur fichier, mais d'en avoir l'utilisation qu'on... Alors, RMN a eu tendance un peu à, comment dire, à utiliser une notion réserve de copyright sur un certain nombre d'images de son stock, ce qui est effectivement un peu complexe dans la mesure où on se demande à quel titre elle prétend avoir un droit d'auteur, parce qu'il n'y a pas de création, à moins qu'il y ait dans la réalisation de l'image une création nouvelle, par exemple, qu'il y aurait des droits d'auteur du photographe qui a pris le tableau qui lui est tombé dans le domaine public, mais ça devient un peu compliqué. Parce qu'en général, justement, le photographe qui fait ce type de reproduction essaye de faire les reproductions les plus fidèles à l'œuvre d'origine, et donc il n'est pas véritablement dans le cadre de la liberté de création que j'évoquais au préalable. Et il est difficile de revendiquer des droits d'auteur au titre de sa seule prestation technique de captation. Dans ce cas, il n'y a pas de droit d'auteur. Il y a éventuellement la possibilité de payer pour avoir accès à un fichier selon une résolution satisfaisante, mais il n'y a pas de droit d'auteur sur le fait de composer un fichier en résolution satisfaisante. Et donc, l'utilisation est libre en principe. Merci. D'autres questions? Si c'est possible, moi, bonjour. Une question assez directe sur, vous avez dit que les sources, alors les citations devaient être indiquées clairement. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Est-ce que, par exemple, le contenu soit directement indexé et rapporté à la source et à l'auteur correspondant? Et en particulier, lorsqu'il s'agit d'utiliser des sites Internet, est-ce qu'il y a une dimension particulière? Alors, le texte de la loi... française est très clair sur l'indication de la source et le principe de façon évidente, on fait une condition importante de la citation. Si on regarde du côté du droit européen, l'exigence est plus souple. C'est-à-dire que l'exigence, c'est de réaliser la citation de la source dans la mesure du possible. Ce qui est important, c'est qu'en réalité, réaliser cette identification, même si elle n'est pas immédiate, même si elle n'est pas accolée sur le document lui-même. Là, on rentre dans les usages, mais vous avez les génériques de films à la fin, dedans les techniciens, mais aussi les auteurs, et vous avez les jaquettes dans les jeux vidéo. Vous avez des pastilles dans les quand vous voyez un film vidéo, vous ne voyez pas forcément le nom des auteurs apparaître, vous voyez parfois le nom de l'artiste interprète, mais pas le nom des auteurs. Donc en fait, il y a un certain nombre d'usages qui font que à un moment, pour être en conformité, il faut s'assurer qu'il y ait un moyen de faire le lien entre l'utilisation, enfin, l'œuvre utilisée et son auteur, mais on va tenir compte des usages d'œuvres et de la possibilité d'inscrire cette
cette mention de façon simultanée par rapport à une diffusion, ce qui est évidemment absolument impossible. Alors, on peut avoir des chevrons, des liens, enfin, un certain nombre de choses qui permettent de façon différée d'avoir l'information de ce qu'elle porte. Et il y avait une autre question. C'est vraiment être absolument pragmatique. Qu'est-ce que je peux faire au mieux de ce qui est possible, en fait. D'accord. Et les licences de partage dans tout ça, vous avez évoqué ça simplement à la fin quand vous avez parlé des images créées sur Internet. Mais où est-ce que ça s'insère dans le droit d'auteur, la licence de partage? Les dire des licences Creative Commons ou des choses comme ça, c'est ça que vous envisagez par licence de partage ou GPL ou quoi que ce soit de cette nature, art libre, enfin, toutes ces licences. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que vous avez vu, il y a plusieurs étages dans le de réflexion. Il y a est-ce que j'ai la libre disposition de mes propres droits et ce n'est pas toujours le cas, puisque si tu es auteur d'un logiciel, il y a l'évolution des droits directement à l'employeur. Si je suis agent public, il y a l'évolution des droits à la personne publique et que je ne peux pas bénéficier de ma liberté académique, il y a l'évolution des droits à la personne publique pour les utilisations de services publics. Ça veut dire que je ne suis plus moi-même en droit de partager ma propre œuvre dès lors que, par ces mécanismes d'attribution, mes droits nativement vont mettre sur la tête de quelqu'un d'autre. Donc, en gros, si on met quelque chose... Enfin, moi, je me souviens d'avoir été appelée un jour par un service de valorisation de quelqu'un qui avait développé un logiciel alors qu'il était dans lequel il mis à disposition une délégation dans un autre laboratoire et qui avait mis le code en open source sans en informer l'université. Or, l'université était, en tant qu'employeur, investie dans le moteur. Donc, elle pouvait, le cas échéant, poursuivre son propre salarié pour contrefaçon des droits sur le logiciel qu'il avait développé et qui lui appartenait. Donc, il faut faire un peu attention à ça. En l'occurrence, en plus, le service de valorisation était quand même complètement bouleversé parce qu'ils avaient une offre très alléchante de rachat de logiciel par une maison américaine. Et quand je leur ai dit, je suis désolée, mais si c'est déjà mis en ligne en GPL, vous êtes obligés de dire que vous ne pouvez pas garantir à l'éditeur la libre jouissance de son exclusivité, parce que c'est déjà c'est déjà véhiculé, c'est déjà mal. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut s'assurer que quand on utilise des listings, on est bien en droit de le faire parce qu'on a bien la libre disposition de ses droits. Voilà. Merci. Merci, Madame Benabou, de nous avoir fait l'honneur de participer à ce CINIWEB. Ça va, ça. J'espère que les problèmes techniques n'ont pas quand même opéré la compréhension. Montage, on va couper cette partie. D'accord. Écoutez, merci d'accueillir dans une autre édition là des CINIWEB. Je suis désolée, j'aurais aimé venir, mais là c'était où je venais, où les slides n'étaient pas finis. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Alors. Alors, je vous laisse quitter le. Je vais commencer. J'ai bien reçu.
Comme une unité de valeur, comme une brique qui s'insère dans différents